Salut encore. Aujourd'hui, je vais raconter une histoire. En fait, je vais lire une histoire. oui. Il s'appelle Louis et Laure. C'est parti, oui. Je vais vous raconter l'histoire de Lou et de Laure. Nous vivons dans une paille où il y avait de grandes forêts et beaucoup de nuages. En fait, j'aime beaucoup de nuages parce que j'aime de l'hiver. Je n'aime pas de l'été parce que il fait trop chaud. Moi, pardon, tout était couvert de nuages et il faisait très froid. Louis, vivant dans la forêt, il était pour des animaux pour les manger et dans les cinq mais où il n'y avait pas de nuages. Il faisait pousser de plantes dans son jardin. Et je ne sais pas si je peux lire exactement. Louis est un homme très miséricorde. C'est difficile. Il a mis tous les bêtes. Il n'aime pas tous les animaux, même pour se nourrir. Il est très miséricordieux. Oui. Lui, à la forêt, pour trouver de la nature, il avait plus de loups. Non, un loup est une bête comme un chien. Il tue les personnes et les mange. Il est très loin à l'intérieur de la forêt pour la nuage blanc. Lui ne peut continuer. Il ne peut retourner à cause de la nuage. Puis il y avait une colline en avant. Lui savait qu'il y avait de Corwin. Lui alors à la colline, il dit: je trouvais une des Corwin. J'ai fait du feu et je dormis cette nuit dans une Corwin. Il n'est pas sûr prononciation de Corwin. Lui entrait dans la Corwin. Il trouvait du bois dans la Corwin. Il fit de feu. Bientôt, tout fut beau de façon agréable. Le feu donnait une bonne lumière. Lui pour voir l'intérieur de la couronne. Dans la couronne, il vit un or. Oui, un or. C'était un dune or, mais il était gros. Sa grande bouche était ouverte. Il faisait un bruit de colère. Lui cuit pour l'eau. L'eau le cuit sous lit et le tue. Donc, peut-être il peut beaucoup. Il ne pourrait pas tirer l'eau. Car il n'avait pas de fusil. Oui. Mais Lou ne vint pas. Il était éteint de là, le gardien. Lui, le gardien Lou, alors il vit que Laure était malade. Oui, Laure est malade. Une patte était grosse et louche. Quelque chose s'était enfoncé dans la patte. C'est tout.